Salut à tous, à toutes et bienvenue dans ce pour l'épisode. Combien? 5? 4? 6? S'en fout. Bref. Je sais pas. On se retrouve pour un épisode de Zescapiste 2 en compagnie de Pedro. Sois Pedro. Bonjour. Donc Pedro est là pour nous apprendre les bases de l'évasion. Bon, aujourd'hui Pedro, qu'est-ce qu'on fait? À part regarder. On s'évade. Toi tu t'évades, mais pas moi. Voilà. Donc en gros, il va faire l'esclave, il va nous servir. Pedro, qu'est-ce qu'on a besoin pour s'évader? Tu parles de On a besoin d'une arbalète et d'une clé rouge. Donc, moi, une arbalète qu'on craft avec. D'accord. Moi la parole, non, mais c'est bon. Je vais bouder. Avec un support d'arbalète et un arc d'arbalète. Et une fois que vous avez ça, il faut évidemment encore de la colle et vous pouvez faire. Pedro, lui, vu que c'est un esclave, il va s'occuper de la clé rouge. Il va s'occuper de la clé rouge. Donc Pedro, je te laisse t'occuper de la clé rouge. Non, mais c'est ah, ouais. Et Pedro, attends, c'est moi. Ah oui, il faut. Non, c'est bon. Toi, tu suspectes mon pote, toi. Ouais, t'es sûr? C'est lui qui a la clé rouge, c'est lui qui a de la clé rouge pour lui casser la gueule. Hein. Oh merde. Bon, voilà les gens, je vous préviens, Flashfight ne va pas être d'une utilité extraordinaire. Tu peux me sortir un de bois, s'il te plaît, mec, de ton bureau? Attends, je me bats, là. En fait, non, j'en ai pas besoin, en plus, tu peux... Oh non! Et c'est la chute. Donc, j'ai besoin de ça, et ensuite, j'ai besoin de colle et de ficelle. Donc ça, pour nous faire un support... Oh, niveau des crafts, maintenant, c'est trop bien! Ah oui, parce qu'on parlait des ajouts, de la mise à jour. Alors maintenant, quand vous craftez, avant, quand vous craftiez, les objets partaient directement dans le trou des crafts. Maintenant, ils sont un peu comme floutés. Tu verras quand tu crafteras quelque chose, Flash. Ouais, je sais, mais ça, j'avais vu aussi. Pardon, excuse-moi, bah j'avais pas vu, moi, connard. Mais bonjour, je cherche de la ficelle et de la colle. Tu ne t'en as pas? Non, pas du tout. J'ai pas de ficelle et j'ai besoin de beaucoup de colle. C'est la merde. Ouais, d'accord. Bonjour. Toi, t'as une arme. J'ai pas d'arme. T'as un balai. J'ai une matraque. Avec son putain de balai, il commence à casser les couilles. T'as une matraque? Oui, mais elle est pas dans mon bureau, je crois. Tu veux un bois, tu m'as dit. Non, mais c'est bon, t'inquiète, j'ai de la ficelle, elle est là. Donc ça, je peux faire déjà tout d'herbette. Il me faut encore de la colle, et puis on est bon. Encore un de colle, et puis c'est aussi. Oh, le menteur. S'il avait un balai. Il avait un balai. Écoute, tu l'as piqué. Non, il m'a pris mon balai, les gens. Soutenez-moi. Prêt, fort balai. Flashfight me pique mon balai, ça tourne mal. Ça tourne mal. C'est quoi, rien pour ça, ça sera le titre de l'épisode. Ça sera le titre de l'épisode. Non, mais putain. Alors en fait, Flashfight avait couvert une touche, mais bon. C'est la touche où tu viens de te faire victimiser? Je viens de me faire victime. Ok. Oui, mais aussi, j'aime pas me combattre dans un espace tout petit. Bah, pas en cellule. Donc, et je me suis pas battu en cellule, je me suis battu à part voir. Bah, te bats pas comme ça, enfin, je veux dire. Fais gaffe, oui, les gens, ils sont violents de nos jours. Alors, allez, on fait ça, on obtient ça, on fait ça, et ça, plus ça, et on Les vénères, l'arbalète complète. Donc, ça, c'est bon, on a l'arbalète, ça, c'est très bien. Ensuite, drôle, vu que Flashfight est un assisté, on va aller l'aider parce que sinon on va jamais y arriver. Tu sais quoi, je vais me battre avec une ventouse. J'en ai plus rien à faire. T'es où mec? T'es en isolement? Non. Okay. Bon, Pedro, est-ce que t'as tout sur toi? T'es où Pedro? Pedro est mort. Pedro, qu'est-ce que tu fous? Non, mais il y a des gros bugs du wifi. Oh. Je me bats contre des mecs. Vas-y, mais bute-le, le mec a plus de vie. Moi, je me cache. Pedro, j'ai déjà tapé pas mal de gardes juste pour toi, alors tu te calmes direct. Je vois pas. Je me vois pas. Bon, Pedro... Alexis, ah non. Je vois le sasso. Oui, c'est moi, Pedro. Mais il y a un mec qui s'appelait Gardien Pedro. Bah oui, c'est le nom que j'avais donné au gardien. C'est pas moi que tu cherchais, connard. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais renommé. Ah, au secours. Ah bah là, je me suis fait victimiser, mec. Ils sont venus, ils ont fait toi, t'es... Toi, espèce de victime. Ah. Ça marche.
Tu as pris tout ce qui... Tu as pris les composants sur toi ou pas, Flash? Le quoi? T'as pris des composants pour faire la fausse clé ou pas? Non. T'as pas compris que moi je cherche à faire la fausse clé là, moi l'arbalète j'en ai hein. Nickel, nickel, vas-y, vas-y. Va chercher les trucs dans ton bureau. Et mec, 99, alors tu te calmes, je vais pas aller dehors pour me faire sniper hein. Et bah j'attends que tu... Arrête-toi. J'attends juste que tu termines de... Tu me dis quand t'es un petit peu en dessous. Moi je retiens. C'est bon, je suis en dessous. En dessous, ok, tu vas aller dans chercher dans ton bureau, mais pas trop, fais gaffe un peu. Chercher quoi? Bah tout ce qu'il faut pour faire une fausse clé. Ah. C'est-à-dire tu sais, le truc rose. Ah. Non, pas ici. Oh putain, j'en ai attiré plein. Viens ici. Ah mec, y'en a deux, là c'est la merde, là je t'explique même pas dans quelle merde je suis. Et en fait, il y a des portails un peu partout. Hein. Ouais, bah passe de l'autre côté, Attendez. Parce que moi, j'essaie de taper l'autre aussi, hein, du coup. Vas-y, tape. Finis-le. Vas-y, celui qui est à terre. Vas-y, tape-le, celui-là. Vas-y, prends celui qui est à terre, il a la clé rouge. Tu l'as? Mais j'arrive pas à le fouiller. Bon. Oh non! Mec, c'est toi qui vas le faire parce que j'arrive pas à les fouiller. En fait, ça me donne genre. Tu sais quoi, tu peux leur dire. Tiens, prends ça. Vas-y, c'est toi. Ok, l'autre? Tu l'as pas? Je vais me faire sniper. Tu l'as pas l'autre? Ah! Regardez-moi cette arme. Bon, les c'est gens. C'est pas vrai, c'est pas moi! Bon, j'ai un chapeau de cow-boy! Ah. Ça prouve que c'est pas moi, arrêtez de me taper. Bon. Vu que Pedro n'a pas réussi sa mission, c'est moi qui vais devoir le faire. J'ai des bugs de wifi. Oui, des bugs de wifi, du coup, t'as toujours les bonnes excuses, Pedro. Si, parce que en fait, quand je voulais fouiller, tu sais, j'appuie sur E comme normalement, tu vois. Ouais, comme tout le monde. Et en fait, ça m'ouvrait genre leur stats. Genre avec leur point de vie, tu leur donnais des 4 plus, mais ça ne donnait pas leur inventaire. Ah ouais, donc t'avais tout sauf ce qu'il fallait, quoi. Donc, oui. Pedro, là je vais t'expliquer un peu à quoi tu vas servir. Vu que du coup moi je peux pas les frapper et genre partir et aller ranger la boule de mastic avec le faux truc de clé dans mon bureau. Toi, une fois que j'aurai tapé lui là, ok? Une fois que je l'aurai tapé, toi tu vas prendre... Hein? C'est lui qui a la clé? Oui, c'est lui qui a la clé. Ou alors on fait l'inverse, c'est toi qui lui pète la gueule et c'est moi qui copie la clé. Flash? Pedro, t'es toujours avec nous? Il va frapper le gars. Voilà, j'en étais sûr. Désolé. T'es sûr qu'il allait frapper le gars? Parce que j'avais posé mon ordinateur sur ma souris, du coup ça a dû. Ok. Donc maintenant reste à l'infirmerie, reprends un peu. Ah, reprends un peu et dès que je te dis tu viens, tu viens. D'accord. Attention. Qui? Sam et Gab. Ok. Si je vais là-bas, tu me suis, toi? Ok. Ouais, viens vers moi. Salut. Je comprends pas. Putain, il fait quoi, lui? Viens. C'est bien, il me suit. Hop. Viens vers là où je suis. Mais tu rentres pas, seulement tu rentres pas, toi. Ce... Ok, moi, je commence un combat épique. Ok, c'est bon. C'est bon, ok, attends, je prends la clé, je la copie. C'est. Tac, tac. Oh, le stress est intense. Merde, non, C'est bon. Wouh. Tiens, Pedro, c'est à toi. Moi, je vais me faire un autre garde, j'ai besoin d'une tenue. Bah, donne alors. Je vais me faire un autre garde, moi. J'ai besoin d'une tenue de garde. Vas-y, va ranger ça dans ton bureau. Wouh, bonjour, y'a pas la garde là-dessus. Ah, oh, c'était chaud, mec. J'ai vraiment cru que j'allais me faire buter. Ah bah. Ah, le mec, bon. Je t'explique même pas, le mec il a atterri en bas, il a fait pfff ta gueule. Ah le mec il m'a violé quoi. Bon, moi je vais me chercher du coup une tenue de garde, donc je vais encore avoir besoin de tes services. Puis après... Bah oui, pour en monter, sinon je peux me monter. Une tenue de garde c'est plus simple, hein, je trouve. Ah le SWAT il est là, les gens, je savais pas.
Je ne sais pas. Donc, pour une fois, là, c'est un peu moins en mode rush, hein, les gens, hein, je vous préviens. Donc là, c'est un peu moins en mode rush pour une fois. C'est un petit peu ce que je vais retrouver dans la science de The Escapist, dans celui-là, du coup. Je voulais retrouver, du coup, ce mode de choses. Ah, il fait mal, ce con. T'es où? Eh ben, je suis en train de me faire victimiser. T'es mort? Oui. En fait, il faudrait que tu pattes voilà, le mec avec la carte bleue. Casse-lui la gueule, casse-lui la gueule, j'arrive et je prends la tenue. Casse-lui la gueule. Vas-y, il reste plus rien en fait, là. C'est bugué alors. Ah, ouais, d'accord. T'as vraiment un bug, toi. Ok, nickel. Non, mais mon gars, j'ai des gros bugs de wifi, je vois personne bouger en fait. Hein. C'est pas grave. Par contre, c'est un peu chiant parce que là, du coup, on n'y arrive pas. Bah, c'est pas grave, on a pas besoin d'une tenue de garde. Si, moi j'en ai besoin. Ils s'en foutent, les gars. Que tu... Non. Non, ils s'en foutent. Moi, je l'ai déjà fait cette évasion. Ils s'en foutent, hein. Ils sont contrebas, hein. What? Non, mais tu peux y aller sans tenue de garde, hein. Pas de problème. Non, moi, je veux faire ça à la legit. Ouais, tu sais quoi, on va faire ça. Ça va juste me faire chier, en fait. Ça me fait mais chier. Du coup, t'es prêt à t'évader, là. Bah, ouais, je suis prêt à m'évader, mais bon, faut faire la clé. Et c'est bon, je l'ai, hein. La clé, tu l'as faite? Oui. Genre, elle est rouge? Tu as fait la clé? Oui, elle... Non, elle est multicolore. Elle est multicolore. Attends, mec, t'as fumé ou quoi? Attends, je t'explique. Putain, j'ai toujours pas respecté mon truc. J'ai fumé du cactus. Où est-ce que t'es? Ah, putain, il faut aller manger. Mon ami, il faut aller manger. En fait, il faudrait que je tape un garde. Moi, en fait, je veux vraiment la tenue de garde pour tout vous expliquer. Les gens, je veux vraiment mettre. Même t'évader maintenant, après, dès que t'es là, après, on y va. Hein. Non, en fait, j'aimerais m'évader de nuit. Voilà, c'est ça le truc. Non. Si, non. Moi je fais des trucs avec un peu plus de style. C'est ça le truc que je retrouvais dans les capites. Le truc le plus stylé, c'est s'évader devant tous les gardiens. Mais non, ça c'est complètement con. C'est complètement con, ça c'est un truc que tu ferais. Pardon. Mais si. Bon, j'ai la clé et si à tout moment, bah il y a un bug de wifi ou autre truc qui pourrait me faire perdre la clé, bah ce sera pas de ma faute. Ouais, tu sais quoi, en fait, on va y aller. Genre, moi, c'est pas dans un portail. Tu sais quoi, on va s'évader parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc. Mais pourquoi t'es à l'étage? Parce que je voulais taper un garde. Qui t'arrête jamais? Bon, par contre, je m'évade de nuit. Hein. Là. Je m'évade de nuit. Hein. Après l'appel. Mais ça va, tu me dis bien, on s'évade maintenant. Non, ça va de nuit. Je peux pas passer là, je peux passer dessus en bas. Ah, pardon. Excuse-moi, j'oublie toujours. Bah, attends, mec, moi, il me manque l'arbalète. Hein. Moi, j'ai pas l'arbalète, tu vois. Hein. Bah, oui, bah, l'arbalète, hein. Oui. On va s'évader et puis flash fight, tu quitteras le game une fois qu'on sera. Bah non, bah tu quitteras le game à la porte. À la porte, tu vas quitter le game. Parce que tu pourras pas traverser. Bon, l'arbalète c'est est bon. Là. J'ai l'arbalète. On va pas l'arbalète quand j'ai dans les mains, mais je vais garder l'avant tout. Tu as la clé, toi? Oui. Eh bah, donne-moi la clé. Donne-moi la clé et après je crois savoir où c'est. Viens au-dessus. Là où je suis, en fait, c'est là. Mais je crois savoir où c'est le truc. Mais non, mais mec, mettre la clé rouge par terre, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Bon, attends, là, je vais te la donner. Là, non, là, ici, là, je suis là. Là, je suis là. Putain, mais viens, je sais où c'est. Là, derrière la botte de foin. Mais putain. Tiens, prends. Bon, Pedro, tu restes sur la map au cas où. Hein. Tu vas me guider, d'accord? Tu vas me guider. D'accord. Là, tu prends l'escalier? Ouais, avec la map. Je continue. Ah. Ok, ensuite, je vais où? Tu reprends l'escalier? Ah non. Non, tu prends l'escalier, ouais. À droite. Tu ouais, reprends l'escalier? Ouais, là, je reprends l'escalier qui est là, d'accord. D'accord. Tu vas là, à gauche, et là, c'est là, vers la corde. Attends, tu peux pas. Je n'y arriverai que seul. Au revoir, Flash Fight. Sache que je t'aimais beaucoup. Tchou bye. Allez, c'est parti, on se casse. Attention. Évasion de dingue. Oh, putain, Vul. Ta gueule. Ouais. C'est bon. Oh putain, on atterrit sur les chevaux. Génial. Liberté. Et voilà, on a fini les amis. On a fini du coup Covert Crew Failure. Et du coup la prochaine fois, on se fera Cap au Camp, comme d'habitude. Oui. Et cette fois-ci, on la fera vraiment. C'est-à-dire, on fera une vraie prison. À partir de maintenant, on va faire des vraies prisons, des vrais épisodes. Pas des épisodes de merde, genre avec 50 prisons, 50 évasions en un seul truc. C'est pas un tuto comment s'évader, c'est un let's play. Bref, les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. Commente donc dans une fois en copie de Flash Fight. Au revoir, Flash Fight. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, bye.